bon matin. J'ai fait un drôle de rêve. Il y a une belle neige dehors sur Québec. Je m'ennuie de ce décor. Mais c'est pas grave. J'ai fait un drôle de rêve. En lien avec le logement. On est pour les rénaux tantôt, comme d'habitude. Mais montrer un peu comme des maisons de poupées. Comme un petit quartier, mais avec des maisons full pas grandes. Là, on se promène dans un petit char pour enfants. Je sais pas si je suis un enfant. Peut-être. Dans le rêve, là. Excusez-moi. Je fais le tour. Je fais le tour de l'espèce de petit quartier résidentiel en maison de poupée en char. Je me fais le tour en char. Je suis en train d'expliquer à la personne qui m'accompagne combien se loger c'est difficile puis qu'on est rendu là. À habiter dans des maisons de poupées. Je trouvais ça assez funny. Assez funny. Fait que ce rêve-là démontre la réalité, tu t'en parles d'appartement, puis tout ça, puis j'étais à chaque fois qu'il m'arrive des affaires, je fais des histoires de rêve débiles. Mais je m'en souviens pas tout le temps. Parce que j'ai commencé à fumer du pot, fait que je m'en souviens pas. Mais la base, je m'en souviens si je prends le temps de m'en souvenir. De ce temps-ci, c'est ça, j'avais. Il y a certaines personnes qui apparaissent dans mon rêve, des personnes que je connais, des personnes que je connais moins. Fait que c'est des rêves invasifs. C'est des rêves qui parlent de ma réalité, mais. Je peux-tu dormir? Pourquoi mes rêves, c'est tout super sérieux et symbolique avec du sens? Je peux-tu dormir? Ça fait quelques jours qu'il faut que j'aille à l'épicerie. C'est mon épilation définitive aujourd'hui. Vais-je pouvoir... Nouvelle âme. Ouais, tout qu'un rêve. Les maisons, des petites maisons, des poupées, louées. Puis j'essaie de pas faire de bruit, je me dis, ça doit être en carton cette affaire-là. Ouais, fort de ça, généralement avance bien, je suis en train de 4e voyage. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui.
me suis rendu là-haut. Sens bien. C'est sûr que c'est tannant quand t'as pas tes affaires pour te mettre belle. Je vais aller faire ma routine en bas. Salut. Ouch. J'arrive chez l'esthéticienne. Ça a fait mal, mais moins. Ça fait toujours moins mal. J'ai toujours moins de poils. Là, j'ai réussi. À un moment donné, j'ai présenté ma peau. Est-ce que ça va brûler la crise? devant, pas une clignotante. Bon, fait que c'est ça. Mais ça fait souffrir un petit peu, là. Ça a fait du bien de sortir de mes rénovations puis mon déménagement pour aller me faire brûler le visage. Genre, prendre un petit peu de temps pour moi. Puis ça, ben, ça va toujours faire que... Ça va toujours faire que je vais avoir moins de barbe, puis ça va de mieux en mieux. Fait que... Je vais commencer à ramasser un peu d'argent aussi. Si j'ai besoin de continuer les séances, ben. Mes dents qui s'en viennent. Fait que... Ça fait beaucoup. Déménagement, nanana. Faut pas que je m'oublie. Faut pas que j'oublie la transition, tu sais. Faut pas que j'oublie les efforts quotidiens. Faut pas. Je me sens honteuse beaucoup ces temps-ci pour multiples raisons. Puis je garde espoir. Là, c'est le fun. Elle a vraiment pogné des poils là, que je voulais qu'elle pogne. Yes. C'est vraiment là, de mieux en mieux à chaque fois. J'imagine dans une semaine ou deux, là, déjà, là. Très satisfaite jusqu'à maintenant de l'épilation définitive. Je pense que c'est un must. C'est un must, en fait, parce que, tu sais, tu peux pas, excusez, vivre la dysphorie, ben, c'est ça. Tu te lèves un matin, tu veux être une fille, t'as une barbe, ben faut que tu la brûles, faut que tu t'en débarrasses, faut que tu la rases, faut trouver des moyens. Fait que c'est un bon moyen, je trouve. Ça sent un petit peu le brûler des fois, mais. Des fois, c'est plus dur. Là. À chaque fois, elle monte la force. Mon gars, je lui ai demandé, t'as-tu pris la même force, t'as-tu monté la force? Elle dit non, j'ai gardé la main. Malade. Fucking débile. Elle a recharré les coins. Malade. Je suis vraiment contente. Ma vie, c'est de la merde. Je suis surchargé. Je dors plus. Je suis fatigué. Mais je sais qu'un meilleur avenir m'attend. J'ai envie de socialiser plus un peu. Allez-y, les amis. Je vais me rapprocher de la ville. J'ai mis une petite pièce de gaz parce que je vais avoir des chargements à faire. Samedi, je vois jamais du monde. J'en ai une coupe de tonne. Vu que j'ai plus de ben, j'essaie des choses. Vaut mieux essayer qu'à rien faire. C'est ça que je me dis. Ça va me sortir aussi de mes rénaux pis tout. C'est un ben qui cherche un guitariste, mais ils ont tous déjà composé leur tune.
je vais leur dire. Si c'est jamais chaque semaine, je peux pas. Il y a des nids de poules, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'ils jouent, où est-ce qu'on va aller jouer avec eux autres samedi? Puis, il dit déjà qu'il sent qu'il y a une bonne vibe et que je pourrais fitter. Regardez ça. Dépendant c'est quoi leur intention. Je veux faire de la scène. Je m'ennuie énormément. Mais je cherche pas à. Si je jouerais avec d'autres mondes, je chercherais pas à prendre juste ma place qu'il faut. Je ferais juste genre session player. Genre session player avec des tricks de performer, genre. Ou deux avec eux autres. Mais moi, je suis plus vraiment une compositrice, fait que ce serait vraiment vouloir développer un côté session player, là, si vraiment c'est ce que je veux dans mes expériences de vie. Essayez ça. J'ai une belle joie de vivre, j'aime la transmettre. Puis... c'est des gros misos, moi, sérieux. Là. S'ils sont pas acceptants et qu'ils commencent à juger ma transidentité, fuck off. M'aller là en brassière sport. Que je vais porter. Ça va juste être t-shirt jeans peut-être. Tout mon stock est là-bas. Déjà d'avance au local. Bon, j'en viens chez nous. Je vais faire un petit son l'après-midi. Essayer de me réparer ma barre. C'est là-dessus. Aïe. Début. On va faire un petit point. Malade. Allô? Allô? Salut. Bonjour. J'arrive de la souffrance. Je suis rouge de partout. Mais je suis confiante que dans les prochaines semaines, là, j'aurai presque plus de moustache. Là. Ça va bien. Je suis vraiment contente. Puis mon déménagement avance bien aussi. On entend beaucoup de réverbes.